Salut à toi qui me regarde. Lâche un gros pouce bleu, ça fait vraiment plaisir pour la motivation et pour la réussite de la chaîne, pour avoir une plus grosse communauté et pourquoi pas vous rencontrer vraiment en nombre, ça serait vraiment super cool. Donc lâche vraiment un gros pouce bleu, on se retrouve tout de suite pour la vidéo, c'est ça qui nous intéresse le plus. Donc je ne vais pas te mentir, le débat Wish AliExpress, c'est vraiment un sujet qui commence à me gonfler sérieusement et je vais vous donner les raisons tout de suite parce que avant de rentrer dans le vrai débat, parce que c'est vraiment un sujet qui est vraiment assez assommateur pour ma chaîne, puisque comme vous le savez, j'ai pas forcément de moyens pour acheter maintenant des vraies pièces, et donc j'en ai pas envie hein, c'est vraiment par faute de moyens. Et donc j'ai eu recours à acheter du fake sur des sites comme AliExpress ou Wish. Donc forcément oui, c'est du fake, on est d'accord, mais c'était vraiment par faute de moyens et pour aussi faire continuer à vivre ma chaîne, parce que sinon il n'y aurait pas de vidéo depuis au moins un ou deux ans, je vais pas vous mentir. Donc voilà, c'était les raisons. Après j'ai reçu franchement d'énormes insultes, genre la vidéo fuckboy qui a fait vraiment un carton sur ma chaîne en peu de temps. C'était vraiment inadmissible, les commentaires de la communauté, je sais pas si c'était des haters ou la communauté en général, mais ça m'a vraiment blessé, parce que recevoir, je vous mens pas, une dizaine de commentaires dessus sur la même vidéo ou sur les vidéos où je présente des fakes, ouais t'es un gros fils de pute, vaut mieux que tu te penques, arrête YouTube, les trucs comme ça. Mais enfin je veux dire, déjà on n'est pas beaucoup à faire des vidéos closing en tant que français sur YouTube. En Amérique, il y en a énormément qui vont faire voilà des présentations de fake. Et c'est pas parce que c'est fake que c'est forcément dégueulasse. Mais après, ce n'est que mon propre avis. Je donnerai mon avis après là-dessus, après avoir posé les questions. Parce que ça va se jouer comme ça en plusieurs catégories, en plusieurs questions, en quatre points plus précisément. Donc voilà, moi je n'ai marre des insultes et c'est pour ça que je vais mettre les choses au clair sur Wish et AliExpress. C'est un truc assez intéressant parce que ça a été vos commentaires à vous que j'ai repris pour les avis négatifs, etc. dessus. Donc vraiment, vous êtes concernés et je suis concerné aussi énormément parce que ça m'a énormément blessé d'avoir ce genre de commentaires vraiment blessants. Bref, c'est pas pour faire ma victime ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour dire voilà, merde quoi, je m'habille comme je veux, j'utilise mon argent comme je veux et de toute façon c'est ma vie. Si les gens vous n'aimez pas, vous tracez votre route, vous n'êtes pas forcément obligé d'insulter les gens gratuitement parce qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Voilà, tout simplement vous pouvez marquer un commentaire très négatif sans forcément manquer de respect et d'insulter les personnes. Voilà mon petit message et mon petit coup de gueule. On se retrouve pour le premier point. Alors, pour le pourquoi Wish ou AliExpress, c'est pourquoi les gens sont contre. Alors en fait, on a remarqué que souvent ce sont les puristes qui n'aimaient pas quand il y avait de la prétention par rapport aux gens qui portent du fake. Par exemple, c'est une vraie pièce, tu vois, je m'en fous moi. Enfin moi, que ce soit vrai ou faux, tu vois, je m'en fous. Ça c'est du vrai black caviar par exemple, juste pour dire. Par exemple, quelqu'un qui va porter un Yeezus, un faux, ou par exemple un Thrasher ou un Bape, mais qui est faux, et ben il y a souvent des personnes qui vont dire ouais je vais me la péter, hop t'as vu c'est du vrai Bape, c'est du vrai Thrasher et tout. Et je peux comprendre totalement le fait que ça dégoûte les vrais puristes des marques, ceux qui aiment vraiment la marque pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle était avant. Et je comprends vraiment beaucoup que ça saoule, qu'il y a des gens qui se la pètent par rapport à leur tenue. Enfin je veux dire, au pire t'essaies d'avoir ton style, t'es pas obligé de t'en vanter. Tu dois être content d'avoir ton propre style. Tu dois vivre ta vie comme une personne normale, quoi. T'as pas besoin de dire ouais t'as vu. Non, faut pas marcher comme ça. Donc voilà. Ils en ont marre que les gens ont la prétention de porter du vrai alors que c'est du faux, et que les puristes bien évidemment le remarquent, comme vous le voyez sur certains de mes vêtements. Après moi je vous le cache pas, voilà, des fois je joue le petit jeu, est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est un faux, c'est pour faire vivre la communauté, pour que voilà vous puissiez y répondre avec des arguments. Donc voilà, mais après je vous mens pas, je vous le dis très souvent que c'est du faux, de toute façon je vous dis d'où ça vient, donc il n'y a pas de souci sur ça. On va partir pour le deuxième point, mais avant ça voilà, il y a aussi le fait que ça nuise énormément à la vraie marque. Donc ça c'est aussi vrai et je suis totalement d'accord.
Mais il y a des gens qui n'ont pas forcément d'argent et qui ne peuvent pas acheter du vrai. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Au pire, c'est clair, ça peut nuire à la marque. Ça peut faire chier les puristes qu'ils voient des fuckboys porter du faux. Et puis, à s'en vanter. C'est vrai que ça doit être super relou. Mais il faut passer à côté de ça. Parce que si on regarde chaque détail, les mecs, c'est clair que le monde entier n'y arrivera jamais. Et ça sera la merde pour vraiment des petites broutilles. Quoi. Donc voilà. On va passer tout de suite au deuxième point. Je m'attarde sur les trucs parce que c'est important. Parce que quand je vois la haine qu'il y a juste pour une histoire de vêtements, c'est vraiment c'est incroyable. Quoi. Tu pourrais pas t'imaginer, mais c'est choquant la haine des gens gratuite. Et voilà, donc on va passer au deuxième point. Mais moi, c'est vrai que ça m'énerve vraiment beaucoup. Donc pour le deuxième point, c'est pourquoi les gens sont pour et pourquoi ils achètent. Donc bien évidemment, il y a beaucoup de choix. La livraison est gratuite et ça dans la plupart des articles, la livraison est gratuite. Et l'article, c'est vrai qu'ils sont les articles sont très très attrayants parce qu'ils reprennent en fait les images des vraies marques en fait. Donc c'est vrai que c'est très très attrayant et on trouve vraiment de tout et très facilement. Il y a beaucoup de choix comme je vous l'ai dit et les gens aiment parce que ils trouvent tout énormément de choses à vraiment petit prix et c'est ça qui facilite tout, c'est ça qui fait que voilà tu achètes et tu peux avoir beaucoup plus de choses que si tu achetais une vraie pièce par exemple. Donc voilà, c'est vrai que c'est très très intéressant au niveau budget, au niveau de la livraison et au niveau des articles, c'est très très intéressant. Donc voilà, on va partir sur le troisième point tout de suite. On va partir donc sur la qualité et sur les défauts de Wish ou de AliExpress ou toutes sortes de sites qui relient les fakes et tous les trucs de ce genre. Donc pour les qualités, on va commencer avec le premier point. Il y a des items introuvables dans le monde entier et sur les sites de marques, etc., que vous pouvez trouver sur AliExpress ou Wish. C'est-à-dire qu'il y a des fringues sans marque en fait, si vous voulez, donc vous ne trouverez nulle part ailleurs en fait que sur ces sites-là. Le bas prix, bien évidemment, deuxième point qui est vraiment l'une des qualités les plus fondateurs de ces sites-là. Il y a un très très bon service. C'est vrai que tu peux parler facilement aux personnes qui te vendent l'article. C'est vrai que les personnes qui ont les articles, c'est vrai qu'ils sont assez bien là-dessus. Et puis, il y a quand même une bonne fiabilité. Alors, c'est vrai que vous me voyez regarder souvent sur la feuille, mais c'est normal hein, parce que je vais pas me souvenir de tout. Il y a la bonne fiabilité, c'est vrai que je reçois quand même 98% de tes articles. Après, il y a quelques petites erreurs qui ont déjà été faites. Moi, perso, j'ai toujours tout reçu. On va partir pour les défauts. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est des fausses marques, hein, comme vous l'auriez compris. Le temps de livraison, il est assez long à chaque fois. Tu peux compter 2 semaines à 3 mois. Franchement, le plus long que j'ai eu, c'est moi, ça a été 2 mois et demi. T'as besoin d'une carte bancaire, donc c'est pas accessible aux jeunes, enfin du moins à ceux qui ont moins de 18 ans, c'est pas du tout accessible pour eux parce qu'il faut une carte bancaire. Après, si vous demandez à vos parents, bien évidemment, ça fonctionne aussi. Mais franchement, ceux qui n'ont pas de carte bancaire et qui n'ont plus la chance d'avoir leurs parents ou que les parents ne veulent pas, bah c'est vrai que sur ça, et bah voilà, vous êtes un peu niqué. Donc on va partir sur le quatrième point tout de suite. Je sais pas pourquoi je fais ça. On va partir, déjà tu vas mettre le focus, merci. On va partir sur le quatrième point qui est donc pour la peur et les doutes des personnes. Ceux qui auraient peur ou qui auraient des doutes avant d'acheter sur AliExpress ou sur Wish. Donc plus souvent ils ont peur des arnaques, pas sûr que l'article arrive, la qualité bien évidemment, le piratage et surtout les tailles. Parce que oui, les tailles des fois c'est un problème vu que ça vient plus de Chine, donc c'est des très très petites tailles. Donc voilà pour les peurs et les doutes, le plus souvent les questions qui reviennent, c'est à peu près ça. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner mon avis tout de suite sur Wish et AliExpress. Moi je pense que c'est vraiment des bons sites, même si ça nuit aux images de la marque. Mais je pense que les grosses marques, même s'il y a du fake, ils n'ont pas du tout de soucis à se faire. Il y a quand même la dose de puristes, il y a plus de puristes que de gens qui portent de fake, je pense, du moins sur des grosses marques. Parce qu'ils veulent vraiment avoir la vraie marque et tout. Donc voilà, je pense qu'ils suivent vraiment la tendance de façon exemplaire. Bah voilà, c'est quand même les raisons, les qualités sont quand même redoutables face aux marques. Il y a le bas prix,
la qualité est pas forcément tout le temps dégueulasse. Moi j'ai eu vraiment des belles pièces comme le suite de Pure Posture en gris, rappelez-vous, une qualité vraiment formidable. Le pull suprême, il est vraiment de très très bonne qualité, même si je sais que c'est un fake parce que l'item a jamais existé dans la vraie marque. Mais voilà, c'est la qualité est pas forcément dégueulasse, faut pas cracher dessus. J'ai même eu un Pants qui est de la même qualité qu'un Pants H&M et tout. Enfin, je veux dire, sur certaines pièces, je suis d'accord, des fois ça pue la merde, mais faut pas cracher sur toutes les pièces fake. Il y en a, c'est vraiment pas dégueulasse. Il y en a qui ont critiqué mes fake Easy Boost 350 V2. Je suis désolé les mecs, mais moi j'ai jamais eu personne qui m'a rien dit dehors, quoi. Et puis de toute façon, même si les gens s'en rendent compte, qu'est-ce que je m'en fous. Enfin, je veux dire, je me sens super bien dedans. C'est super agréable. Et puis voilà, j'arrive très bien à marcher avec. J'ai aucun problème après. J'ai pas mal aux pieds après. Il n'y a aucun problème. Donc, je veux dire, ça regarde que moi ce que j'achète. Ça regarde que vous ce que vous achetez. Si vous avez des vraies pièces, bah écoutez, on est hyper content pour vous. Ça fait plaisir. Et on est même un petit peu jaloux, on dirait. Non mais sérieusement, on est content pour vous, que vous ayez des pièces, que vous ayez, voilà, que vous travaillez, que vous réussissez, que vous avez de l'argent pour, que vous économisez et tout. Mais il y en a qui ne peuvent pas forcément le faire. Il y en a qui n'ont pas les moyens et ils veulent, voilà, que ça ressemble au plus au vrai, sans que ça fasse genre t-shirt de chez Tati. Je ne juge pas ceux qui ont des t-shirts de chez Tati, mais c'est pour vous dire, ils veulent, voilà, avoir le style de d'autres personnes, mais ils peuvent pas y accéder sur des vrais puisqu'ils n'ont pas l'argent, et du coup ils ont recours aux fake et ça leur revient beaucoup moins cher et ils arrivent à être stylés et à ressortir de la masse comme ça. Et voilà, ça aide vraiment beaucoup de personnes psychologiquement. Faut pas croire que ça reste du fake. Voilà, t'achètes à 5 balles, voilà, c'est pété. Ça aide beaucoup de gens de réussir à avoir un style à eux-mêmes, ou voilà, de ressembler à quelqu'un qu'ils aiment beaucoup. Et pour se sentir mieux, et voilà, que ça soit fake ou pas, tant que les gens se sentent bien, c'est le principal, et je pense que ça on le retient pas assez. Donc voilà, ça c'était un petit message pour les haters et tout ça, donc ça fait pas plaisir, mais bon, je suis quand même là, on est des warriors, et je vous dis à très très bientôt, c'était un plaisir de vous retrouver. Peace, mais pas sur moi.